بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et toute grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous célébrait ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demande-lui aide, nous demande-lui pardon. Nous demande-lui protection contre tout ban mal qu'il y a dans nos propres nafs, et nous demande-lui protection contre tout ban mal qu'il y a dans nos propres actions. C'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala guide personne pas pour capable égarer, et c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec d'autres bons frères et sœurs, je témoigne qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est unique, c'est lui qui n'a aucun partenaire, qui n'a aucun associé. C'est lui qui n'a pas dépend de l'eau, et tout qui se dépend de l'eau. Et je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager et prophète, bons frères et sœurs, qui la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala reste aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur immense l'eau nous. Encore un Ramadan, encore un Jum'a, nous vivons. Nous sommes capables d'accomplir Namaz Jum'a avec facilité, avec sécurité, sans aucun problème, sans aucune tension, sans aucun blocage. Beaucoup de frères et de sœurs dans le monde paient sa facilité, sa sécurité qui nous est pour une faire namaz Jumma et n'importe qui les autres namaz. Une petite chose qui ne faudrait pas nous musulmans musulmanes ici nous prend pour acquis, nous prend li for granted. Pareil pour Ramadan, nous tous qui là, aujourd'hui présents à ce là, au moins un tam ou bien au moins un gosé de l'eau nous réciprons si nous ne l'avons un petit peu zizis dans les séries. Nous sommes des frères et des sœurs, aujourd'hui, en 2024, cette série et cette iftar, c'est uniquement l'intention. Pas n'y a pour manger, pas n'y a pour boire. Arrive la série, fait l'intention pour God Rosa, arrive l'iftar, fait l'intention, fait iftar, pas n'y a une goutte d'eau, pas n'y a une tam, pas n'y a une goutte de jipin, pas n'y a. Certains parmi ces frères et des sœurs, peuvent attendre possiblement une balle la farine, un sac la farine tombé depuis dans le ciel, tombé pour le ramasser, pour cuire. Les pères disent cela, vie se dissent, mélange avec la farine. Ça, nous pouvons trouver tous les jours, nous pouvons trouver devant nous l'isier impuissant. Nous ne sommes pas capables de faire rien. Il ne faudrait pas, nous, musulmans, musulmanes, ici, nous prendre facilité, sécurité, liberté qui nous est là pour pratiquer nos dînes for granted. Nous devons continuellement remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il enseigne nous et il révèle surah Fatiha, une surah que nous tous musulmans musulmanes ne connaissons pas au Caire,
première petite chose capable qu'il y ait des enfants qui apprennent pas, ok, parmi les musulmans, c'est sur la Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala li commence, li enseigne nous Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Tout mérite, tout éloge, tout grandeur, tout hamd pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons sur la Fatiha, arrive ayat que Allah subhanahu wa ta'ala li enseigne nous et nous lire Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. De tout seul, ô Allah, nous adorer et de tout seul, avec de tout seul, nous demander. Nous demandons l'aide, nous demandons pardon. Avec de tout seul, nous rendre l'aide, nous demander. Dans sa trois ayats là, il y a une nuance. Sa des ayats que nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ou nous pouvons supplier Allah subhanahu wa ta'ala pour dire. Iyaka na'budu, de tout seul, ô Allah, nous adorer. Wa iyaka nasta'in, et de tout seul, avec de tout seul, nous demander. Il y a un verbe dans sa deux ayats là. Verbe. Verbe qui était ça, c'est une action. De tout seul, nous adorer. Nous, je lis en anglais, en français, n'importe qui langage. Nous adorer, nous pouvons faire une action. Avec de tout seul, nous demander, ô Allah, c'est une action. Mais premier ayat qui nous lit dans surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une formule avec un verbe. Nous pas dire Nahmadu. Dans surah Fatiha, nous dire Alhamdulillah. Il y a une nuance entre ça, des différentes formules. Quand nous pouvons servir un verbe, nous pouvons dire Allah subhanahu wa ta'ala te tout seul nous adorer. Avec te tout seul nous demande l'aide. Un verbe, nous tout qu'il a là, sans exception, finena un moment dans nous la vie, quand nous participons à dos Allah subhanahu wa ta'ala. Soit par négligence, l'insouciance, soit nous participons exister même. Avec tout seul, oh Allah nous demander, nous tout qu'il a, sans exception, finena un moment dans nous la vie, que nous pas nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Soit par négligence, l'insouciance, soit nous pas qui existent même. Tandis que quand nous disons Alhamdulillah, tout mérite, tout louange uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous là, nous pas là. Nous exister, nous pas exister. Nous décide pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou nous décide pour pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala ou nous pas demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il reste tout le temps le seul, unique qui mérite tout louange et tout adoration. Alhamdulillah. Et quelqu'un qui décide pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas fait du bien personne excepté ce propre nafs dans le dunya et dans l'akhirat. Et quelqu'un qui décide pour pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas fait du tout personne excepté ce propre nafs dans le dunya et dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala seulement li pas laisse nous musulmans musulmanes comme ça même. Pas juste musulmans musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala li pas laisse l'humanité net comme ça même. Quand nous lisons le Coran, nous commençons par surah Fatiha, ça veut dire nous lisons un mushaf façon qu'il est compilé là. Nous lisons surah Fatiha, nous continuons, nous rentrons dans surah Baqara, nous lisons. Premier l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Premier l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, quand nous pouvons lire le Coran, donc façon qu'il est compilé, nous pouvons lire le Mushaf, trouve dans surah Baqara. Surah 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nas. Premier l'ordre, Allah subhanahu wa ta'ala l'adresse-lui à l'humanité en entier. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ban jimun, tout jimun,
à dos de robe, celui qui fin créer et celui qui fin créer ban qui avant zot, afin qu'il soit capable de développer ta quoi, afin qu'il soit capable de développer la piété, afin qu'il soit capable d'améliorer cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils soient capables de développer l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils soient capables de développer la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils soient capables de développer l'espoir pour Allah, en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, même si tout djimoun, tout djinn qui n'existait pas adore lui, il reste le seul qui mérite l'adoration. Même si personne pas adore lui, ça pas diminuer ni augmente qui chose dans sa capacité, mais il invite nous pour adorer lui. Qui faire? Parce qu'il en a bien fait pour nous. Dans Dunya et dans Akhirat. Nous tous musulmans, musulmanes, comme on nous dit dans nos langages, nous peut tracer tous les jours. Pour nous améliorer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui décide pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment qu'il décide pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sa faveur, sa dévotion, sa l'engouement, sa l'enthousiasme qu'il y a dans là, il faut. Et quelqu'un qui décide pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à faire ce namaz dans l'air tous les jours. Sa motivation qu'il y a dans tous les jours là, extrêmement fort. Il est pour rôder un transport prêté si besoin pour faire namaz, quand il peut travailler. Il est pour guetter ce l'air pour ne pas rater namaz en jamaat. L'enthousiasme est fort. Mais nous nature en tant qu'insan, ça l'enthousiasme là, l'y monte et descend. L'y fluctuate, l'y monte et descend. Pareil comme tout quelque chose qui nous vient dans la vie, nous nature l'y comme ça. Nous l'attachement avec quelque chose, l'y monte et descend. Une fois Hanzala radiallahu anhu, l'y zoen Abu Bakr radiallahu anhu, parce qu'il est préoccupé, je t'al zoen Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et Hanzala, radiallahu anhu, il dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasoul Allah, Hanzala est un hypocrite à cette terre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Hanzala, qui n'arrive-vous? Il dit, Ya Rasoul Allah, quand nous avec où, nous peut écouter où, ou peut cause Allah subhanahu wa ta'ala, ou peut cause akhirat, nous iman monter, nous iman vin faux, vin au top. Comment nous rentre la case? Dunya, madame, enfants, nous iman redescend. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit au Hanzala, il y a un lieu pour tout quelque chose. Il y a un moment pour tout quelque chose. Nous iman li monte li descend. Si ou iman au Hanzala, tu restes tout le temps au top. Mais ben 11 tu peux descendre, tu peux faire au salam alaykoum. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous que nous iman li fluctuate. Nous l'enthousiasme, nous dévouement li fluctuate. Pareil comme ça même. Un jour, grand matin, il dit qu'il est levé, il a le namaz fajr, il est bien enthousiaste, il est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y a le travail, il est dans son commerce, il est dans son bureau, il est dans son travail. Ce l'enthousiasme tombé. Allah subhanahu wa ta'ala appelle nous tous, Zohar, il fait namaz. Nous remonter, il y a les mêmes comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous différents types d'ibadat. Il y a ibadat quotidien, tous les jours, il y a ibadat par mois, il y a ibadat tous les années. Comme Ramadan. Ramadan est un ibadat qui vient tous les années. Un ibadat qui vient tous les années, que nous, musulmans, musulmanes, ça l'enthousiasme, ça dévouement, ça l'attachement avec ibadat, la capable de faire des choses. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de namaz du tout. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une obligation recta. Cette bonne obligation tout le temps est la même, mais avec les temps, avec situation dans la vie, capable de commencer à sunnat, capable de commencer à namaz en jamaat, ça dit commence à descendre. Allah subhanahu wa ta'ala met une occasion devant nous, Ramadan. Si un djimoun, un musulman, une musulmane, Ramadan rentre et il trouve, il toujours pas trouve le besoin pour mettre l'autre de la vie. Il n'y a toujours pas trouvé le besoin pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là, nous comprenons le hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il dit ou il fait en avant, en premier, il monte au mimbar, nous entendons tout le temps ce hadith-là, il monte au mimbar, chaque pas qu'il fait, il dit Amin, Amin, Amin.
ban sahaba radiyallahu anhum jaya Rasulullah zaminun tan ujia sa Rasul sallallahu alayhi wa sallam jia Jibril alayhi salam in vini el in jia moi et na en la donc qui concerne nous Ramadan mais li important aussi qui nous get sa del de zet point là pour nous pas néglige zot en la donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam jia Jibril alayhi salam in vini et in jia moi en qui ken qui Ramadan in traverse avec lui et il pas fin gain le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner lui et pour mettre lui dans l'enfer. Jibril alayhi salam dit à Rasulallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam dit amin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit amin. Ça lui concerne nous. Ramadan. En parenthèse, ça délote là en qui ken qui se parent in vin vie et il pas fin récit fait ce tridmat pour rendre de Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala pour éloigner lui, pour mettre dans l'enfer. Et Jibril alayhi salam, dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit amin, et l'in dit amin. Et troisième, celui qui tanne Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce nom, et il pas avoué de roud l'oli, les mots comme ça même, Jibril alayhi salam, dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans l'enfer, dit amin, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit amin. Donc concernant nous maintenant, mes frères et mes sœurs, un qui ken, un musulman, un musulmane, saint d'esprit, il réfléchit. Il arrive Ramadan, même si nous pas besoin aucune occasion spéciale pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous dans situation là, je vous dis, Ramadan, quelques jours restés, quelques nuits restées, nous, en tant que musulmans, musulmanes, moi, musulmans, musulmanes, nous ne pas décide pour mettre un lot dans mon vie, nous ne pas décide pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui quantité nous perdons. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa moi-là, il fait nous connaître, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, tout ban la porte l'enfer fermé. Tout ban la porte Jannah grand ouvert, ban grand shaitan, ban jinfo enchaîné. Allah subhanahu wa ta'ala, pia tan jimoun retourne vers lui. Si moi, musulman, musulman, m'a pas saisi ça l'occasion-là, même si je n'ai pas besoin de l'occasion spéciale pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais si là aussi, je n'ai pas réussi à saisir cette occasion-là pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui quantité ma situation est grave. Et moi, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, sa ibadat qui nous prescrit là, est spéciale. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître dans un hadith Qudsi. Kullu amal ibn Adam lahu. Tout ban amal, tout ban bon action des enfants Adam pour l'Isa. Illa suyam, excepté rosa. Fa innahu li. Sa rosa là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sa rosa là pour moi ça. Tout ibadat nous fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui l'emphase, Allah subhanahu wa ta'ala il mettait. Sa rosa là pour moi ça. Wa ana ajzibi. Et c'est moi qui vous récompense ça. Toute action Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul pour récompenser, mais qu'est l'emphase qu'il mettait le Ramadan. Si nous ne pouvons pas saisir ce moment précis-là pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre situation est extrêmement grave devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, encourage-nous, « Ya ayyuhalladhina amanu, toubou ila Allahi tawbatan nasuha » عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبنكنا إيمان في أن توبة سينسير في الله سبحانه وتعالى. رتون في الله سبحانه وتعالى سينسير ما. afin que Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne zut tout ban péché et li met zut dans ban jannat sous laquelle ban la rivière peut couler. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Musulmans, musulmanes n'ont pas besoin d'aucune occasion spéciale pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Premier l'étape, première action qui nous besoin prendre en tant que musulmans, musulmanes, quand nous décidons pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, mettre l'autre dans nous la vie, c'est Tawba. Njimoun, n'importe quoi que ça l'été, n'importe quelle situation l'été, n'importe qui moi l'été. Les persiser, les pémorcer, les dambis, les dans ce loto, les réfléchir au sur la vie. Ya Rob, qu'est-ce que je peux faire avec ma vie? Combien de temps encore je peux engagement dans quelque chose qui ne pas content? Combien de temps encore je peux continuer engagement dans quelque chose qui te défend? Combien de temps encore je peux continuer engagement dans quelque chose qui ne pas faire toi plaisir et je connais ça ne pas faire toi plaisir? Les assiser, les réfléchir, l'eau, c'est qu'il peut faire, l'y regretter. L'y en a remords. L'y décide pour arrêter tout de suite. Et l'y déterminer, c'est un moment-là qu'il n'est pas pour refaire ça encore, là, comment il sorti, ou bien quand il sorti dans le bis, il sorti depuis sur le tout, l'y peut mosmosser. L'y sincèrement regretter. L'y en a remords pour ce qu'il peut faire. Les déterminer qu'il en a arrêté tout de suite là. Ya Rob, mon arrêté tout de suite, mon fini décider mon puis arrêter avec ça. Sincèrement. Et me déterminer qu'il ne pas pour refaire ça encore. Les demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-lui. Allah subhanahu wa ta'ala efface ce ban péché. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il est retombé comment il est sorti là? Oui, il y a une grosse possibilité qu'il est retombé encore. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu bni Adam khata. Tous les enfants Adam, c'est les pécheurs, les qui trempent dans le péché. Wa khayrul khata'in. Et meilleur parmi les qui font le péché. Zamine, tu peux penser, capable d'un terme comme ça. Meilleur parmi les qui font le péché. At-tawaboun, les qui retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les pas intelligents musulmans, musulmanes pensent. Mais c'est un zoué ça, mon cassin pose, là, mon démentor. Bah, tantôt, mourir, aller, mon descendre, mourir, faire même PC. Il n'est pas intelligent, parce que sincérité, lui et Allah subhanahu wa ta'ala connaît, seul, est-ce qu'il est sincère ou pas. Moi, si je me demande Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour un PC qui m'en fait, moi, connais, moi, si je suis sincère ou pas. Sa sincérité, qui nous connaît, moi, sincère là, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut attendre. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut attendre. Maintenant, on finit de décider pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. On regrette devant les gens qui kennent ça? Non. Cela a mis coulé devant les gens qui kennent ça? Non. L'in déterminé qu'il a arrêté avec sa PC là, devant les gens qui kennent ça? Non. L'in décidé pour ne pas retourner encore là-dedans, devant les gens qui kennent ça? Non. L'in namaz tranquille? L'in namaz tranquille? En plein ramadan, comment me rendre dans ma zid, tout le monde qui est habitué à faire namaz? Qui donne comment se faire namaz à ce qui fait à cause d'arriver 10 derniers jours au ramadan, on a tenu vini. Pas au problème ça. Tu n'as arrêté avec zina, tu n'as arrêté boire, tu n'as arrêté avec cigarette, tu n'as arrêté avec la drogue. Pas au problème ça. Mon tauba li hante moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mon tauba li hante moi avec celui qui fait une créer moi. Mon tauba li hante moi avec celui qui peut ouvrir cela, mais peut dire moi retourner. Un musulman, une musulmane, il n'y a pas de traque à Djimoun. Il n'y a pas de traque à l'isier Djimoun. Laisse Djimoun continuer à cause mon causé. Laisse Djimoun continuer à cause mon causé avec les autres. Soit disant, il fait un amas à ce laisse-le. Mon tauba, il entre moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surah Az-Zumar. Ben, ça va dire. Sa ayat là, dans Surah Az-Zumar, c'est ayat qui montrait l'espoir dans ce pli haute forme qui est capable d'exister quand nous payons en vie et dans l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, « Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim » Dis à mon serviteur, mon esclave, dis à mon esclave, pas man qui fait beaucoup PC, pas man qui encore dans PC, pas man qui trempé dans PC. Dis à mon esclave, ban qui fin exagéré dans faire PC.
La taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré avec Allah subhanahu wa ta'ala sur rahma. Innahu yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne tout man péché. Innahu huwa al-ghafuru rahim. En vérité, lui-même al-ghafur et lui-même al-rahim. N'a pas désespéré avec Allah subhanahu wa ta'ala sur rahma. Un musulman, une musulmane, n'est pas désespéré. Pas les shaitans, Dieu avec nous. Toi, tu parles de mon pardon. Toi, tu peux commencer à faire namaz. Pas les shaitans, faire nous perdre l'espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala finit à nous. La taqnatu min rahmatillah. N'a pas désespéré avec Allah subhanahu wa ta'ala sur rahma. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui enseigne nous, il donne nous une image, une métaphore. Un djimoun qui peut faire un voyage avec ce samo et tout ce ban provision, il peut quitter un endroit, il peut aller, il peut traverser le désert. Il est tout seul. Un la route qui djimoun pas prend ça. Il peut bien traverser ça, la route là. Ce samo avec lui, tout ce ban provision avec lui, il est fatigué en plein désert, il trouve un petit ombrage, il casse une pause, il est reposé. Il est assoupi quand ce sommeil est cassé, il pas trouve ce samo, il pas trouve ce ban provision. Il commence affolé, nous capables d'imaginer, il est tout seul là, peine à personne pour passer là. Ni ce samo présent, ni ce ban provision présent. Il est tellement inabriti, affolé, il bat sa carré là net, il y a le rôle de ce samo, il ne trouve pas ce samo là. Jusqu'à qu'il retourne dans sa place côté Tchipé Kassen Pose, dans un petit ombrage, il est assise là, il est désespéré, il connaît, il est capable de mourir ici là, personne pas pour passer, peine une goutte d'eau, peine une goutte de manger. Il est désespéré, il baisse la tête, il finit pour ce compte. Les sentiers qui tousent tous les, comment ils lèvent sur la tête, ils retrouvent ce samo avec tout ce man provision. Imagine contentement ça du monde. Tellement l'in content, ils trappent ce samo, ils risent vers lui. Et ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement ils ont envie, ils remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement l'émotion prend lui. Dans place, ils disent Anta, ils disent Oh Allah, Anta. Dans place, ils disent Anta Rabbi. Wa ana abduk, dans place il dit oh Allah toi tu me robes moi tu esclave, il raté slip of the tongue, il dit oh Allah toi tu me esclave moi tu robes, tellement l'incontent, cette émotion tellement fort, il raté slip of the tongue. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala qui est incomparable, Allah subhanahu wa ta'ala il plie content quand un ce esclave il décide pour retourner vers lui. Est-ce qu'il pas fin arrive les temps moi, musulman, musulmane, pour me retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il pas fin arrive les temps pour moi, musulman, musulmane, prendre compte ce qui peut passer autour de nous dans le monde entier. Combien de temps encore nous pouvons vivre? Combien de temps encore nous pouvons vivre? Si le temps-là n'est pas à ce temps-là, Allah tout seul connaît quand il est capable. Moutaouba, il est entre moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'époque de Bani Israël, Moussa alayhi salam et ce ban djimoun, ce ban sahaba, zut al fait namaz istisra parce qu'il a pli papé tombé. La sécheresse. Zut une vini, Moussa alayhi salam fait namaz, demande doa, la pli pas tombé. Moussa alayhi salam, de sa nature, c'est un djimoun qui stubborn, un djimoun entêté, il est content de persister, il est bizarre de comprendre ce qui peut arriver. Il dit, Ya Rob, nous venons, nous faisons namaz, nous demandons, l'appli qui ne fait pas tomber. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Moussa, à cause n'a pas mis ça, et qui n'a pas mis ça, il est trempé dans le PC à cause de lui-même ça. Moussa alayhi salam, levé, dit, et n'a qui n'a pas mis nous, à cause de ce ban PC, l'appli ne peut pas tomber, qui l'a levé, il y allé. Nous, quand levé, nous allons là. Personne ne parle. Moussa alayhi salam, redébouté avec ce bandjimoun, refait namaz, refait doa, l'appli tombé. Moussa alayhi salam, toujours pas comprendre. Ya Rob, personne pas n'aller, l'appli qui fait tomber. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Moussa, entre-moi avec mon Rob, entre-moi avec mon Abd, entre-moi avec mon esclave, ça. L'in demande-moi pardon et mon pardonne-li. L'in regrette là, l'in persise l'aime, l'in demande-moi pardon et mon pardonne-li. Moussa alayhi salam dit, ya Rob, dis-moi qui s'en a ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit oh Moussa, pendant plus de 40 bananes, il trempé dans le PC, mon cachette li. Azodi, il demande moi pardon pour révéler ce qui s'en là ça, subhanallah.
n'a pas désespéré avec Allah subhanahu wa ta'ala ce rahma. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ban frère, ban sœur, toujours ne pas oublier nous ban frère, ban sœur qui peut subir ban atrocité pas possible démoliger tout le monde avec complicité toute institution qui existait dans Gaza. Que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous profiter avec sa ban dernier moment Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous ban péché. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vinen qui ken qui l'in pardonne quand Ramadan est fini. Jazakumullahu khair, merci beaucoup pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.